Bonjour chers abonnés, bonjour Internet, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo particulière avec la visite du palais de l'Élysée. Ce lieu a 300 ans et il est la vitrine du savoir-faire français. Chaque jour, 800 personnes y travaillent et parmi elles, une personne a une place et un rôle particulier. C'est le président de la République. Commençons la visite du palais par le bureau du président. Le Salon Doré est le bureau de tous les présidents de la Ve République, à l'exception du président Valéry Giscard d'Estaing, qui a préféré installer son lieu de travail dans un bureau voisin. Situé au centre du palais, ce salon a conservé intact le décor exécuté en 1861 pour l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III. L'ameublement a évolué sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, qui y travaille et reçoit chaque jour. Le grand bureau est un meuble contemporain de Thierry Lemaire. Madame Brigitte Macron a aussi son bureau à l'Élysée dans le salon des Fougères. Depuis 2007, ce salon est employé comme bureau par le conjoint du président de la République. Le salon des Fougères doit son nom au motif de son tissu créé initialement pour la chambre du roi Louis XVI à Compiègne. Après quelques transformations dans le début des années 70, le président Valéry Giscard d'Estaing privilégie le retour à une décoration classique. C'est pourquoi le tissu a été réédité et installé en 1997. Sans doute la salle des fêtes de l'Élysée vous paraît-elle familière ? Vous l'avez probablement déjà vu en arrière-plan des vidéos d'investiture des présidents de la République ou à la télévision lors d'allocutions. Regardez. Construite par l'architecte Eugène de Bressène et inaugurée par le président Sidi Carnot pour l'exposition universelle de 1889, la salle des fêtes mesure 600 mètres carrés, ce qui permet au président de la République d'y recevoir les remises de Légion d'honneur et les grandes cérémonies, à l'instar du dîner d'État en l'honneur de Sa Majesté Élisabeth II le 5 avril 2004, sur la table de la porcelaine de Sèvres, de la verrerie Baccarat entre autres. La salle des fêtes sert aussi de studio de télévision lors de conférences de presse. Ici, la reconstitution de la conférence le 10 décembre 2021 entre le président de la République Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Juste à côté de la salle des fêtes se trouve le salon Napoléon III. Il est utilisé pour des réceptions officielles. En 2019, le salon a été restauré. Lors des journées du patrimoine, ont été présentés dans cette salle les différents cadeaux présidentiels. Ici, le grand collier de la Légion d'honneur, le président de la République, en est le grand maître et, à ce titre, détient le collier. Ce dernier pèse 1 kg et il est en or massif. Admirons d'autres lieux comme l'escalier Murat. Je déambule dans les couloirs de l'Élysée et je découvre cet escalier en marbre composé de deux volets séparés par un palier. L'escalier Murat a été créé par le prince Joachim Murat en 1806. Il est bordé d'une rampe en plomb dorée dont les barreaux en forme de palme jaillissent de couronnes d'olivier. Les marches ont été recouvertes en 2021 par un nouveau tapis intitulé Odyssée. Juste à côté, le vestibule d'honneur, c'est l'entrée du palais de l'Élysée et c'est un lieu familier des Français. Découvrons d'autres salons magnifiques comme la salle à manger Paulin. Cette salle est le seul témoin des aménagements réalisés à la demande du président Georges Pompidou en 1972. Rebaptisée du nom de son concepteur, le designer Paul Paulin, elle est composée d'une structure murale démontable en polyester moulé.
Voici le salon bibliothèque, ancienne chambre de Napoléon Ier. Cette pièce a été transformée en bibliothèque par Napoléon III en 1860. En 2022, elle devient salle à manger. Certains présidents de la République y ont installé leurs bureaux comme Sidi Carnot, Félix Faure et Vincent Auriol. D'autres y ont posé pour leur portrait officiel, à l'instar de François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Ici l'antichambre, cette pièce est le salon d'attente des visiteurs avant leur rencontre avec le président de la République ou le secrétaire général. Découvrons le salon vert jouxtant le bureau du président de la République. C'est ici que se tiennent les réunions avec les conseillers les plus proches. Son décor de boiserie est de style Louis XV. Regardez le salon de la cartographie, c'est ici que le couple présidentiel reçoit des invités. Marquant l'entrée dans les appartements semi-privés, ce salon était orné par Napoléon III d'un ensemble de tapisseries détaillant la carte de la forêt de Compiègne, d'où son nom. Voici la voiture du président Macron, la fameuse DS7 Crossback Élysée. Depuis la proclamation de la 5e République, les DS et SM, puis DS5 et DS7 Crossback ont été utilisés par 7 présidents. Ce véhicule présente une motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux avec une transition intelligente à 4 roues motrices et une teinte bleu encre. La DS7 Crossback Élysée est la première voiture blindée au monde hybride rechargeable. Elle est utilisée au quotidien et plus particulièrement lors de cérémonies officielles. J'espère que cette vidéo inédite vous a plu. Merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Cela récompense mon travail. Merci de votre fidélité. À très bientôt, j'espère. Ciao.